Bon matin la gang! Super beau matin. Jay vient de partir son moteur. Il est 8h, puis moi puis Jay aujourd'hui on s'en va à pêche, à traîne. Ici à Aruba, on pêche moins en apnée puis en plongée parce qu'il n'y a pas beaucoup de poissons. Il y a du lion, mais il faut vraiment que tu cherches beaucoup. Puis on a plus de fun à aller à traîne. On part avec le voilier, on part un après-midi, puis on va pogner du mahi. Jay est là, il s'en va faire ses exercices. Wendy est là, évidemment. Wendy! Chaque matin, Jay s'en va sur la plage, il fait de l'exercice, prend les vélos, il s'en va jusqu'à la plage à Eagle Beach. Il est vraiment bon, il est motivé, parce que nous autres, faudrait le faire, mais on est moins motivé. Puis là, quand il revient, bien, on lève l'angle, puis on s'en va à pêche. Super belle matinée. Il a mouillé toute la nuit. C'est fatigant quand il mouille parce qu'il faut fermer les hatches, ouvrir les hatches parce qu'il fait chaud dans le bateau. Fait que là, c'est la mission la nuit d'ouvrir et fermer. Mais là, il a mouillé toute la nuit, fait qu'on les a fermés. Là, ça se dégage, fait super beau. Ça va être une belle journée. Véro, elle a fait de l'éditing aujourd'hui. Moi et Jay, on s'en va à la pêche. On va essayer de pogner du mahi, du thon. Là, il y a une petite dépression qui vient de passer, on la laisse passer, puis après ça, on met les lignes à l'eau. Ouais, on remarque 10 poissons! L'aimes-tu ta vie, Jay? Ah, ça dépend des jours, là. À matin, ouais, mais ça va bien, là. Oh yeah, je pense que... Oh, c'est 6 mois, ça monte! Yeah! Le poignet est mon mahi, yes sir! De mouillage, toujours à Aruba, mais on va se rapprocher de l'aéroport ce matin parce que mon fils Loïc vient nous rejoindre. Puis là, on a évalué les options. Là, parce qu'on est, à Malmoque Beach en ce moment, puis c'est complètement à l'autre bout de l'île. Donc, on va se rapprocher de l'aéroport avec le voilier. On a tout évalué nos options pour aller le chercher à l'aéroport, qu'est-ce qui était plus simple. Puis si on restait à Malmoque Bay, ben là, il faut traverser toute l'île au complet. Donc en vélo, ça représente 10 km et plus, aller et retour. En taxi, c'est quand même cher. Donc on s'est dit, on va se rapprocher, on va aller au mouillage là-bas, à côté de la marina de Renaissance. Fait que c'est ça qu'on fait ce matin. J'ai vraiment hâte de voir Loïc. Malgré tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, on réussit toujours à se voir pour Noël, puis à passer du temps ensemble de qualité. On est vraiment fiers. Loïc va venir passer 9 jours avec nous. J'ai trouvé des belles activités qu'on va pouvoir faire sur l'île pour lui faire découvrir l'île. Il y a des belles places de snorkeling qu'on n'a pas explorées encore, qu'on s'est fait raconter hier par des navigateurs qui sont ici depuis un an, qui nous ont dit tous les meilleurs spots. Okay, on va aller voir ça avec Loïc. Il y a aussi un endroit avec des glissades d'eau, d'autres flamants roses sur une île vraiment cool. On va aller explorer ça aussi, on ne l'a pas fait encore. C'est un court laps de temps, mais pendant ce voyage-là, bien, pendant tous les voyages que Loïc est ici, tu sais, j'essaie d'y transmettre ma passion du voyage, tu sais, puis j'essaie d'y montrer le meilleur de ce qu'il peut voir pour qu'il en retire le plus de bénéfices possible. Après que le 9 jours de Loïc va être terminé, bien là, on part pour la Colombie. C'est une nave quand même réputée pour être difficile. Un des 5 coins les plus difficiles au monde à naviguer. Il l'appelle le Cap Horn des Caraïbes. Donc, on a vraiment hâte de vous en dire plus, de tout vous expliquer ça, nos démarches pour les choix qu'on a faits. On est vraiment excités, puis on a hâte d'aller visiter la Colombie, on a hâte de voir Loïc. C'est vraiment excitant tout ce qui s'en vient. C'est parti! Ici, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup dauphins alentour de nous. Je reprends le même chemin que j'ai pris quand, avec Navionix. Je repasse au même endroit, comme ça je suis sûr de ne pas accrocher. 1, 2, 3, tombe! Ah!
Québec à côté de l'aéroport. C'est sûr qu'on va entendre les avions, mais c'est vraiment proche. Ça va être parfait pour aller chercher Loïc. C'est aujourd'hui que Loïc arrive. On est à l'aéroport, il devrait atterrir d'une minute à l'autre. Puis on peut pas rentrer dans l'aéroport parce que j'ai apporté Windy. Les chiens ont le droit d'être dans un bagage, mais ils peuvent pas marcher par terre. Puis j'ai pas de bagage avec moi, là, donc on attend dehors. D'une minute à l'autre, ils vont arriver. Merci beaucoup! Ça fait plaisir! Merci beaucoup! Ça me fait tellement plaisir! On a Loïc avec nous! Mais j'aime comment ils ont poussé d'abord! Ce qu'on disait, c'est que ses cheveux ils ont poussé! Ils sont beaux! Il est rendu grand! Il est presque à la même grandeur qu'Amy! Ah, il a tout le temps été presque à la même grandeur! Ouais. Moi, mais... Amy est petite, puis Loïc est grand, donc même si on a 5 ans de différence, Loïc va la dépasser, ça sera pas très long, en plus que c'est un garçon. On est vraiment content de le voir! On est arrivé! Ta-da! You what's pick? What's pick, es-tu à l'écoute? Oui, what's pick est à l'écoute. On est arrivé! Ok, parfait, j'arrive! Merci! Depuis que mes enfants sont tout petits, je les mesure. Je suis certaine qu'il y a plein d'autres parents qui font ça. D'habitude, c'est sur un mur, là. T'as un mur à la maison, puis tu vois toutes les lignes de comment ils grandissent. Mais nous, vu qu'on déménageait beaucoup, j'avais ça ici, que j'installe à chaque fois. J'indique l'âge, la date, puis j'indique le lieu. Fait que là, ils vont voir toutes les différentes grandeurs dans les différents pays. Ok. Je suis où? Là? Coche au-dessus, là. Yes. Ok, Loïc a grandi une petite coche. Je pensais qu'il aurait grandi plus que ça, mais juste un peu. Puis il est pareil. Vivre en voilier ne veut pas dire qu'on doit tout abandonner nos traditions ou nos habitudes qui sont importantes pour nous. Il suffit de les modifier un peu et les adapter à la vie du bateau. L'arbre de Noël est le parfait exemple. On n'est pas obligé de décorer un sapin de 8 pieds pour sentir la magie Noël. Un sapin de 2 pieds qui se sert bien dans un bac de rangement, c'est parfait. Et ça nous permet quand même de nous créer des souvenirs de Noël. En fait, vivre sur un voilier veut dire s'adapter. On doit s'adapter, entre autres, à notre espace de vie qui est plus petit. Si vivre sur un voilier et voyager autour de la planète est vraiment ton rêve, tu seras d'accord avec moi que renoncer à du matériel n'est pas un gros sacrifice pour obtenir tous les avantages de vivre cette vie. Et voilà, la dernière boule placée sur notre sapin. Aruba, c'est pas juste une île festive, full touriste, là. Comme vous voyez ici sur la plage, il y a presque personne. On a la plage presque à nous toute seule. C'est vraiment relax. Où est-ce qu'on était à Malmoque Bay? C'est très, très touristique avec les hôtels, les restaurants partout, les activités et tout. Mais l'autre bout de l'île, c'est plus les locaux qui vivent là, à côté de l'aéroport. Puis il y a le parc protégé complètement à l'autre bout qu'on a été faire du Jeep. C'est vraiment différent de ce côté-ci. Donc si on veut plus de tranquillité, puis des belles plages, là, l'eau, le sable est vraiment doux, très très beau. Donc, si on veut un peu de tranquillité, ben on vient ici. Qu'est-ce qu'on construit, Loïc? Un jacuzzi. Un jacuzzi? Ouais. Oh, gars, il s'est rempli d'eau! Ouais. T'aimes ça jouer dans le sable? Ouais. Ah, c'est parfait. Toi, Amy? Moi, je construis un obstacle pour Windy. Ah, pour faire des cours de dressage? Ouais. Cool. Comment t'as trouvé l'eau? Bien?
Ouais, plein de sable! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Loïc? C'est Noël! Le Père Noël nous a trouvés? Ouais. Comment il a fait pour venir porter les cadeaux pendant la nuit? Est-ce qu'il est arrivé avec son traîneau sur le pont? Ouais, j'ai attendu. Puis là, il est rentré par là? D'après moi, il a juste marché dans les marches. Ah, il a rentré. Ou sauté en arrière des marches. On a oublié de faire des biscuits. Oui. Il nous a trouvés pareil. Phew! Oh my god, la santé des cadeaux! Donc, ça, c'est la lettre de Noël à maman. Il faut que je dise, quand tu me dis que tu voulais acheter un bateau, vivre dessus et voir le monde, je ne te croyais pas au début. Mais plus que le temps allait, je voyais que tu faisais des changements dans ta vie pour obtenir ce que tu voulais. Le moment que je me suis dit, elle va vraiment le faire, c'est là que j'ai vu que tout est possible. Quand tu mets les efforts nécessaires. À partir de ce moment, je voulais faire tout ce que je pouvais pour t'encourager dans ton rêve. Tu as toujours été là pour moi et maintenant c'est mon tour. Donc vas-y, fonce vers tous tes rêves les plus fous. Je vais être là pour t'encourager. Je t'aime. C'est cute. Avec un billet pour aller voir Sing. Oui. On s'en va au cinéma? Oui. Malade. Merci, Mi. Wow. Wow. Seigneur. Elle peut être ça, ça et ça. Puis en plus, il vient avec un bonhomme. Ça, c'est le cadeau de moi. Je l'ouvrirai. Okay. Un billet pour l'île de Palm Tour, ce qui inclut des glissades d'eau, des flamants roses, la plage, de la banane, un buffet à volonté et une bonne surprise. Quand on va là? Aujourd'hui? Demain! Parfait! Windy, ça c'est ton bon Noël! Kisses! Ouh, Windy! Ah, Windy! Ah oui, c'est là, c'est là! Parfait, j'aurai besoin des crayons pour faire mon jeu. Youbé! Journée de Noël, nous autres, c'est crêpes au déjeuner, full sucre, puis à soir, c'est chocolat favori. Avec des fruits, évidemment, mais on soupe pas. C'est notre souper, le chocolat favori. Fait qu'imaginez le rush de sucre aujourd'hui. On va aller se promener l'après-midi, par exemple, pour dépenser tout ce sucre. Exact, on s'en va à l'arcade, on va s'amuser. Vous vous rappelez quand je vous disais qu'il y a 29 jours de pluie par année à Aruba? Ben, ça tombe que c'est le mois de novembre, le mois de décembre. Et un peu janvier qui sont les mois où il pleut. Tout le mois de décembre à date, il a mouillé tous les jours. Ça n'a pas de sens. Fait qu'on a les 29 jours de pluie pendant qu'on est ici. Mais bon, ça, il pleut pas longtemps par exemple. C'est surtout la nuit. Dans le jour, le matin, c'est encore un peu nuageux. Mais l'après-midi, souvent, ça s'éclaircit. On va pouvoir faire nos activités quand même. Souper est servi! Chocolat favori! Wouhou! On partage même avec Jay. Hey, on est gentils, hein? Faut qu'on l'aime, cet homme. Tout pour moi. Partagez notre chocolat favori, guys. Enjoy!
À date, on a pogné deux maillis sur le voilier. Fait qu'on part en des. Pour être plus, le plus proche, pour que ça coûte le moins cher, tout ça. On a tout évalué les... Non. Puis, quoi d'autre? On est vraiment fiers de ça. C'est pas évident. Mais... les chiens ont le droit dans... les chiens ont le droit d'être dans un... Il y a un bout de l'île. C'est le nord. Je pense que c'est le nord. Bloopers! Merci à nos Patreons et nos donateurs PayPal qui nous aident depuis le tout début de cette aventure. Et bienvenue à notre nouveau Patreon anonyme cette semaine. Merci! La semaine prochaine, les enfants prennent leur première respiration sous l'eau et on finit notre séjour à Aruba à bord d'un bateau de pirates. À la prochaine! Est-ce que je vous ai déjà dit que j'adore Noël à la plage? Ouais! Je n'ai jamais connu un Noël blanc avec de la neige. Tout ce que je connais, c'est le sable. Ce qui est vraiment super, par exemple, c'est que maman réussit toujours à tous nous réunir pour le temps des fêtes. Vas-y, passer du temps ensemble, c'est ce que j'aime le plus. Et c'est ce qui crée la magie de Noël pour moi. Allez, je vous laisse, les amis. Je retourne jouer. Passez un joyeux temps des fêtes et je vous souhaite la meilleure des années. Ouais! Un énorme merci également à nos commanditaires, l'équipe de Jet Set Art pour le linge et bien sûr le Sharpie sur la coque et le génois d'Atypique, les gestions familiales Maurice Inc. pour l'iPhone 12 qui nous permettra de rester en communication avec notre famille, et Patricia des distributions D. Hébert pour notre dinghy Caribe. Si vous aimeriez faire partie du projet Sailing Atypique vous aussi, écrivez-nous!